Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vraiment très très spéciale. Je suis en compagnie du Big Boss Yacine. Yo. Et je suis en compagnie de la Big Boss Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, on va acheter les affaires scolaires de Myriam. Les gars, je suis contente parce que je vais acheter mes nouvelles affaires scolaires, ouais. Mais par contre, c'est bientôt la rentrée. Vous voyez quand je bouge mon petit doigt comme ça, Yacine, dis-lui, on va pas acheter des affaires comme ça, normal, comme une famille normale. On n'est pas normal. Tu vas avoir plein de challenges et plein de défis. Plus t'es forte, plus t'auras des belles affaires scolaires. Plus t'es nul, plus t'auras un sac poubelle à la place du sac à dos. D'habitude. On fait pas comme d'habitude, Yacine. On se met ensemble aujourd'hui. C'est parti, Myriam va souffrir. Si c'est comme ça, je viens pas, je reste. Bah, t'as qu'à assumer. Déjà, c'est nous, on va lui payer ses affaires. Déjà, sois contente et vas-y, viens. Non, je sors pas. Si t'es nul, t'as des trucs nuls. Si t'es fort, t'as des trucs forts. En vrai, tu penses que tu vas être nul alors? Non. Bah, vas-y, viens. On peut pas avoir une famille comme les autres. Bientôt l'école, c'est passé trop vite les vacances. Allez, c'est parti. On commence tranquille avec les stylos, la famille. Ça, les stylos, c'est la base. Est-ce que toi, cette année, il y a des camarades qui t'ont prêté des stylos et te les ont jamais rendus? Non, moi par contre, moi, il y a des camarades, genre, ils m'ont prêté des stylos et genre, j'ai oublié de leur rendre. Quand vous empruntez des stylos, rendez-les aux gens. Ouais, moi à chaque fois, ils me rendent et moi, je leur rends. Pour moi, les meilleurs stylos, c'est les Peppermate. Ils se cassent jamais, ils sont incroyables. Ça, est-ce que ça gomme ici, genre, ça gomme pas? Moi, j'avais des stylos avant, c'était des stylos gommants. T'écris, tu gommes. C'est dingue. Ouais, mais ça, on n'a pas le droit dès maintenant à l'école. Les gars, ça, c'est les ciseaux. Que tout le monde a. En fait, ceux-là, c'est les ciseaux que vraiment tout le monde a à l'école. Genre, t'es pas d'accord, Yacine? Moi, je vais parler des règles, pas des ciseaux. Il faut toujours prendre des règles qui se cassent pas. Vous voyez les règles en plastique? Mais on a pas le droit, ils ne veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? Je sais pas, maintenant à l'école, c'est. Je sais pas, c'est bizarre. C'est la main Ils veulent pas parce que, genre, la règle, elle est pas précise pour la géométrie. Ah, bien, bah, du coup, bah, il faut prendre une règle qui se casse. Ouais. Agnès, tu fais quoi? Eh, hey, les gars, celui qui a ça à l'école, c'est sûr, il travaille mal. Comment tu veux te concentrer? La prof, elle dit les devoirs. Il y a que des images de Dragon Ball Z. Est-ce qu'il y a des pages Dragon Ball? Ah non, c'est un cahier texte hasard. C'est nul. Les gars, je trouve là, j'en viens d'Younes, mais le problème, c'est qu'Younes, il va jamais se concentrer en classe avec ça. Vu que Myriam, elle est en train de me traiter de gros, on va commencer les défis maintenant. Fourniture scolaire défi. C'est parti, prépare-toi à souffrir. La liste est ici. Elle a besoin de plein de choses pour sa trousse. Myriam, tu vas avoir 30 secondes pour prendre tous les ingrédients qu'il faut dans ta trousse. Tout ce que tu oublies, ça sera tant pis pour toi. Il y a 5 stylos bleus, stylos verts, crayons en papier, 2 gommes, je te laisse 10 secondes, mémorise la liste. 5 stylos bleus, 3 stylos verts. Bah en vrai, je prends un paquet pour tous les stylos, du crayon à papier. OK, c'est bon, prépare-toi. Non, attends, j'ai pas tout mémorisé. 3, 2, tiens-moi ça. 1, c'est parti. Allez, allez. Myriam directement elle va se diriger vers les stylos. 2 stylos. 2 paquets de stylos, OK. Myriam, il était déjà à 10 secondes. Les ciseaux, il faut accélérer. Oh, directement elle prend les ciseaux. Tiens, avant. Oh, travail d'équipe avec Younes, incroyable. Ok, les crayons. Myriam, il te reste plus beaucoup de temps. Tiens, Younes. 10, 9, les gommes. 7, les gommes. 6, les gommes. 5, la colle, 4, la colle. 3, 2, 1, top. J'ai pas eu le temps de prendre des gommes. Problème, comment je vais faire pour gommer mes erreurs? J'ai de la colle, donc ça c'est bon déjà. J'ai des ciseaux, une paire de ciseaux. Le paquet de stylos, bon ça c'est carré. C'est tout? T'as oublié le taille crayon, t'as oublié les surligneurs, la gomme. T'es foutu, t'auras une trousse cette année. Elle va être vide dès la rentrée. Comment tu vas faire? Eh, vous voulez pas me laisser un bonus? Yacine va avoir 10 secondes supplémentaires pour te prendre tout ce qui manque. Yacine, c'est sûr, il va tricher. Par contre, je te préviens, moi je suis fatigué, hein. Je peux pas courir, c'est désolé. C'est sûr, il va tricher, c'est sûr, il va tricher. Non, je vais pas tricher. Yacine, je compte sur toi. Ce qui manque, c'est des surligneurs, un taille crayon et une gomme. Et la trousse? Ah oui! La base, on a oublié la trousse aussi. Oh, non. Ok, je vais essayer de faire mon maximum. Mais fais attention parce que la trousse elle est pas dans ce rayon, comment tu vas faire? Déjà repère. C'est bon, je suis prêt. Ok, directement on a le taille crayon juste ici. On va prendre un taille crayon jaune. Des surligneurs, je stresse. Ok, vas-y. C'est pas là, je trouve pas. Ok, surligneur, tac, c'est validé. Oh, on ramassera après. La trousse, c'est où les trousses? Accélération, virgule, petit pont, frappe Kylian Mbappé. On va lui prendre ça. Les États-Unis d'Amérique. C'est quoi cette trousse? Des gommes. Des gommes, c'est où les gommes? 3, 2, les gommes. Oh non. Perdu. Vas-y, sert à rien lui. Il aime pas trouver des gommes, comment je vais faire pour. Comme mes erreurs, je vais faire comment à cause de toi? Mais au moins, je t'ai pris une trousse. C'est quoi cette trousse? Bah, les États-Unis d'Amérique. Pourquoi tu prends des trousses comme ça? Tu m'as frappé, t'es sûr? C'est quoi cette trousse? Bah, elle est belle la trousse. Dans les commentaires, dites la vérité, elle est belle la trousse en vrai de vrai. On dirait que je vais sortir de prison. Myriam, il te faut un grand cahier pour le grand cahier, c'est bon celui-là? Non, il est moche. Comment ça, il est moche? Il est moche. Tu veux choisir un bien? Oui. Ok, Myriam, si tu réussis à répondre aux 3 questions d'école, tu prends le cahier que tu veux, même s'il coûte 10 euros. Ok. Cite-moi 3 nombres pairs. 3 nombres pairs, le 2, le 4. Oui. Et le 6. J'espère qu'à la maison, vous avez eu la bonne réponse. Si vous connaissez pas ça, c'est vraiment la honte. Cite-moi 3 villes de France connues. Paris. Lyon, oui. Et Marseille. Ok, dernière question. 6 x 7. 6 x 7, 47. 47. Non, 6 x 7, 48. Non. Attends. 6 x 7, 49. 48. Et 6 x 7, 42. Donc Myriam, t'as eu 2 bonnes réponses sur 3. Tu choisis un cahier. Si je suis satisfait, je l'achète. Sinon, je l'achète pas parce que t'as eu 2 sur 3. Ok, pour le cahier, on va prendre un cahier simple, efficace, qui coûte pas trop cher. Parce que je sais que si ça coûte grave cher, il va dire non. En vrai, les meilleurs cahiers pour moi, c'est ceux-là. Contre, on va choisir une bonne couleur. Genre en mode, voilà, en rose comme ça.
Elle a pris un cahier rose basique. Franchement, je lui accepte. La famille, regardez ce qu'elle aurait pu avoir. Elle aurait pu avoir un cahier magique. Tu vois, c'est ici, en fait, tout ce que tu écris dessus, tu peux l'effacer. C'est le nouveau cahier, c'est une dinguerie. Regardez comment il est super stylé. Couverture en ardoise effaçable et plus cahier écolier. C'est le meilleur cahier possible. En plein là, je peux le prendre, s'il te plaît. Non, non, Myriam, tu le reposes. Ça coûte combien? Si ça coûte 1 euro, tu me le prends. 6 x 7,48, repose. On arrive, la famille, au classeur. J'ai trouvé les plus stylés. Regardez, on a un classeur Harry Potter. Mais là, c'est pas le pire. On a Warzone. On a les mignons. Pour ceux qui jouent à Call of Duty, c'est les meilleurs classeurs possibles. Par contre, le prix, il est meilleur aussi. Y a pas Fortnite? Non, y a pas Fortnite. Non. 8 euros, 8 balles un classeur. Wow. Donc on va se diriger vers le classeur Cora. Le classeur Cora. C'est une blague. Ça, ça coûte 2 euros. C'est la même chose. Ça trie tes feuilles, c'est tout. C'est juste que c'est Cora, frère. Mais il est moche, moi je veux un truc comme ça. Regarde celui-là, en plus, ça coûte pas cher. Allez, c'est, moi je veux un truc comme ça. Les gars, dites-moi en commentaire, vous avez quoi comme affaire scolaire? Mais moi, je veux pas les trucs comme ça. C'est moche, c'est moche. Genre, au moins, tu prends du plaisir à étudier parce que, genre, tu vois des belles images. On passe directement sur les agendas. Il y a des agendas de fou furieux. Regardez, il y a les champions. Oh, il y a un Marseille. T'as, t'es pour Marseille? T'aimerais bien avoir un agenda Marseille? Je suis désolé, mais non. Bah, les agendas, les gars, pour savoir lequel elle va avoir, va devoir faire l'accélération jusqu'à là-bas et revenir en moins de 15 secondes. En moins de 15 secondes. Et tu choisis ton agenda. Si tu le fais pas en moins de 15 secondes, c'est moi qui choisis l'agenda. Ok. Mais t'es en position de départ. Mais les gars, je suis pas à la tête des Jeux Olympiques. Moi, je vais faire comment? Tu dois toucher la vitre et revenir. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! Oh, je pense ça va être chaud, les gars. Je pense qu'elle va prendre des agendas, c'est moi qui vais choisir. Là, en vrai de vrai, et je sais ce qu'elle va prendre. Elle va prendre un agenda, elle est mignon. Moi, je sais pas, ça va pas se passer comme ça. Et top. Je suis désolé, ça fait 16 secondes. 16 secondes, du coup, normalement, c'est moi qui choisis ton agenda. Déjà, dis-moi ce que t'aurais choisi. T'aurais choisi quoi? Moi, j'aurais choisi ça comme agenda. Wesh, c'est la première fois que je vois un agenda avec une couverture comme ça, genre. D'habitude, ça existe pas. C'est ça que t'aurais choisi? Ouais. Eh ben, je suis désolé, mais tu vas devoir te coltiner toute l'année un agenda Olympique de Marseille. Non, j'ai rien contre les Marseillais, mais j'aime pas. C'est ton nouvel agenda. Marseille, c'est une très bonne équipe comme Paris. Mais j'ai pas envie d'avoir un agenda de Marseille. Moi, je veux avoir un agenda normal. Désolé, eh, voilà, la rentrée, ça va être catastrophique. C'était pas prévu, Myriam, mais vu qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans cette vidéo pour toi, on devait pas acheter de sac. Tu devais garder celui de l'année dernière. Ouais. Je te laisse l'opportunité de choisir le sac que tu veux. Fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Le sac, tu le prends, c'est cadeau pour moi. Oh, incroyable. Les gars, pour les sacs, déjà, on a des sacs simples et efficaces. On a les Heat Pack. J'en ai déjà un chez moi, mais en plus, là, vous voyez, j'aime pas les trucs comme ça. Là. Ça, c'est grave les sacs des. Genre, comment ça s'appelle, des sixièmes. Sixièmes, ils portent tout ça, t'es pas d'accord Yacine? J'avoue, ça c'est les sacs pour aller dans tiens, l'espace. Ma soeur, félicitations. C'est quoi ça? Tiens, ma soeur. Blague. Il est beau, c'est des cœurs, tu nous aimes tu, bien. Tu on est une famille qui s'aime. Oui, mais attends. Myriam, mais on s'aime. Tu m'as dit, je choisis. Ah, t'aimes pas? Non. Les gars, le type de cartable, moi que je veux, c'est des cartables simples et efficaces. Pas des cartables du genre comme ça et tout. Ça, c'est pas des cartables trop kawaiineux, ça. Ouais, exactement. Mais elle va pas alarmer, Younes. Personne va t'embêter avec ça. Rigole pas. Il y en a qui. Tu rigoles sur ceux qui prennent ça à l'école. C'est pas un sac d'école. Moi, je te conseille un sac, Myriam. Je te conseille ce sac-là, là. Il est incroyable. C'est un sort de Hispac, mais en rose. Franchement, tu vas kiffer. Ça, c'est le meilleur sac, tu vois. Il n'y a pas de débat. C'est bien, elle a raison. C'est l'hiver, il pleut, les couleurs tristes. Tu veux celui-là? Bah oui, tu joues à Call of, ça rappelle Call of. Tu veux ça? Ouais. Alors ça, je comprendrai jamais. La gouache. Seuls ceux qui rentrent au collège, qui font art plastique, qui peuvent comprendre. Il y a vraiment des profs qui demandent d'acheter ça. Alors que c'est n'importe quoi. Tu fais de la peinture, mais excusez-moi. C'est quoi cette discipline là-haut? Tu peux faire de la peinture ou des maths? Bah des maths. C'est une blague. 6 x 7 42. Elle a dit 48 tout à l'heure quand même, hein. C'est grave. Les gars, la peinture, tu peux reparler ta créativité. Alors qu'en maths, t'es obligé regardez. De calculer. Regardez. Tu trouves un classeur GTA. Bah vas-y, va à l'école avec tu ça. Tu le veux? Non. Pardonnez-moi, j'ai oublié de parler de la base de l'école. Le 4 couleurs. Ça les gars, je vous conseille d'avoir ça dans votre trousse, c'est trop important. Mais il y a un truc que je comprends pas, ça coûte 1,73€. Celui-là, c'est le même, sauf que la couleur échange et c'est 3,79€. La personne va l'avoir cette année. Si vous voyez quelqu'un avec ça, c'est qu'il est riche. Oulala, vous me parlez de calculatrice, il y a marqué 70€. Là, il y a un défi à faire, je suis pas d'accord. Ok, vas-y. Sinon, on va ralasser, ça va être très très cher. Okay. Donc là, Myriam, tu vas devoir répondre à 3 calculs d'affilée. Tu réponds à ces 3 calculs d'affilée, tu prends la calculatrice de ton choix, ok? Premier calcul, 2 x 2. Bah 2 x 2 ça fait 4. On commence doucement, on va monter gentiment. Deuxième calcul, 9 x 9. 81. Ok. Tu veux quoi comme calculatrice? Ok, alors moi je veux une calculatrice simple et efficace. Les gars, par contre, qui prend ça 79€? Mais à ce qu'il sur ces calculatrices peut jouer? Ça c'est quand j'étais au lycée, j'avais cette calculatrice là. Et en gros, c'est une calculatrice, c'est une tricheuse. Tu rentres les formules et ça te donne toutes les réponses. C'est grave la triche. On peut même mettre des jeux, je me rappelle, on joue à des jeux. Moi en vrai, si je veux ça, c'est ça. Tu veux une petite comme ça? Ouais, une petite fixe blanche. Ok, je te la prends, y a pas de souci. C'est une petite calculatrice basique, elle coûte 6€. Ça passe. Et du coup, on fait pas le dernier défi. Non, c'est bon, on va garder celle-là, c'est bon. Ah, ok, bah c'est carré, moi j'ai eu ce que je voulais. Yacine, tu peux pas aller à l'école avec ça, je vais me foutre la le défi, c'est le défi, je peux pas. Parce que les gars, c'est trop lent de prendre une trousse comme ça. Et on dirait que je viens de sortir de prison. Mais ça veut dire que là, tu respectes pas le défi en fait. Bah, je veux une autre trousse. Bah, vas-y, bah tu sais quoi, je vais être gentil parce que je sais qu'à l'école, tu peux te taper la honte et tout. Tu dois prendre une trousse, mais simple. T'as pas aucun motif, rien du tout dedans. Ok, y'a pas de souci. Je cherche une trousse simple. Genre un truc comme ça par exemple. Un truc que je vois simple. Ah, j'ai trouvé. Fais voir. Bleu comme ça, vas-y, ok, j'accepte, tiens, c'est bon. Allez, incroyable, c'est ma couleur préférée, le bleu.
Dab. Et ça m'a rappelé un souvenir à l'école. Tous ceux qui s'appellent Alexandre, ils ont des trousses comme ça avec des Ernest ou des trucs comme ça, là, des chats. Ça, dites-moi dans les commentaires si vous vous appelez Alexandre, si vous avez des trousses comme ça. C'est très important pour les voleurs. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas ça. Et les gens, ils reconnaissaient nos cahiers. Hein. Les gens, ils volaient pas, à part les stylos. Les stylos, j'avoue, ils volaient beaucoup. Mais dans les cahiers, ça sert à rien en vrai. Bah, moi, dans mon école, en fait, dans certaines classes, il y a des gens, ils volent des affaires parce que, genre, ils ont pas d'affaires et tout et tout. Et du coup, bah, c'est pour ça c'est important de marquer son nom. Quand j'étais à l'école, j'avais toujours rêvé d'avoir ça. Les moi, j'avais des crayons en papier. Les gens avaient tous des critériums comme ça. Avec, tu te rappelles les mines, là, Younes, les mines ici. Oh, j'aurais kiffé. Non, dans ma classe, j'étais la seule à avoir. Enfin, j'étais pas la seule. Il y avait 2-3 personnes qui avaient des critériums. Et ça, genre les critériums, c'est incroyable. Alors Myriam, écoute-moi bien. J'ai un message pour toi et tous ceux qui vont aller à l'école. Cette année, je compte sur vous pour bien travailler, ramener des bonnes notes, travailler bien. Il y a un temps pour rigoler à la récréation, rigoler. Quand vous rentrez chez vous, jouer à la play et tout. Mais Myriam, je compte sur toi pour bien travailler à l'école cette année. Est-ce que tu me fais la promesse que tu vas faire ton maximum? Ouais, je fais un maximum. D'accord. Pour maman, pour papa, pour toi et pour tous les abonnés, parce qu'on est censé donner l'exemple, d'accord? Pas de bavardage comme l'année dernière. L'année dernière, elle a beaucoup bavardé. Cette année, tu bavardes pas, tu te fais discrète. Ok? Vous aussi, les créer, c'est important. Ah là, je suis bien, les gars. Il y a bientôt l'école. Eh, hey, mais attends. Mais toi, tu connais pas ce fauteuil. C'est le fauteuil de Friends. C'est le fauteuil de l'école. Ça veut dire que vous allez bientôt aller à l'école, Myriam. Mais non, mais c'est le fauteuil vous de Friends. Vous allez vous lever à 6h du matin. Regarde derrière toi. Comme ça, mathématiques, anglais, français, histoire, géographie. Va. Incroyable. En plus, il va bientôt faire nuit à 17h. C'est-à-dire que vous allez sortir, il fait nuit. Vous allez rentrer, il fait nuit. Va là-bas, s'il te plaît. Wow. C'est quoi le rapport avec l'école là? Je comprends pas. Bah, je vais me faire plaisir avant moi, avant la cantine. Oh là là, Myriam, des sushis, mais c'est trop banal. J'ai l'argent, j'ai la monnaie. T'as combien? T'as 5 euros? Ouais, 5 euros. Pose ma liste d'école là, c'est rien si je la laisse là. Non, laisse là si tu veux. Oh voilà, c'est celui-là, je crois. Il faut juste en fait enlever, ça, enlever les concombres en fait à l'intérieur, c'est tout. Je les mangerai, t'inquiète. Tu les mangeras? A few moments later. Regarde, il y a qui derrière pour pas payer? Regardez quand je vous dis que c'est un gros rat. Viens. Quand je vous dis que c'est un gros rat. Moi j'ai 5 euros, j'achète quoi avec 5 euros? Ouais, mais avec 5 euros, tu vas payer que tes sushis. Même les sushis, ça coûte plus cher. Je pense que je vais payer que ma bouteille de Sprite. Ouais, je vais me taper tout ça, puis je me tape une queue de malade. Myriam, je suis à deux doigts de tout laisser et partir. On fait comment? Si je laisse tout y partir? Je suis pas parti parce que je voulais pas payer, hein. Je suis parti parce que j'étais fatigué. T'es sûr? Ouais. Et pourquoi t'es parti toi aussi? Mais j'ai passé mes 5 euros à Younes. 5 euros? Ouais. Mais ça suffit pas. Mais c'est pour pas payer ma bouteille de Sprite. Il y en a au moins pour 200 euros là. Je sais pas comment. Moi je suis fatigué, je reste un peu là. Et je pense quand Younes il aura payé, je serai un peu moins fatigué. Du coup, je me repose, d'accord? Tu peux. Je sais pas, moi j'ai un truc, j'ai faim. Je suis fatigué, je t'ai dit, je m'assois ici. Bah tu me donnes l'argent, moi je vais acheter. Non, Myriam. Je sais que c'est, il est fatigué, mais il veut pas il payer. Il a dit, il sera moins fatigué quand tu auras payé. C'est pas grave, tant que tu travailles bien à l'école, ça me dérange pas de payer, Myriam. Juste travaille bien à l'école, s'il te plaît. Oui. Hey, Myriam, j'espère que quand tu vas être grande, tu vas me payer des trucs quand même. Ouais, je te ferai les cours, t'inquiète. Oh, mais on vient de ressortir du magasin et jouer vraiment le jeu dans l'espace commentaire. Celui qui devine le prix exact des fournitures de Myriam, je m'abonne à son compte Snap, Insta et TikTok. C'est bon? Et aussi YouTube, si. Non, YouTube, je sais pas, il n'y a pas YouTube. Ouais, vas-y. Et les gars, mettez 5000 likes. Je vous lance un défi. On va voir si vous êtes chaud. Essayez de mettre 5000 likes. Si vous arrivez, les gars, vous êtes des big boss. Allez, les amis, nous on vous laisse là. C'était les affaires scolaires de Myriam. Elle va manger des sushis plus un Sprite. En vrai, elle s'est mise bien aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il reste quelques jours avant. C'est un signe qu'il faut pas aller à l'école, ça. Non, il n'y a pas de signe. Tu vas te lever à 7h du matin, tu vas aller à l'école comme tout le monde.